troisième et dernière séance avec Lorraine. Ah, ma coach préférée. Ça va, France? Je suis motivée, mais t'as même pas idée. Mais quel est le programme? Qu'est-ce qu'on fait? On va sur le parcours. Ah, c'est vrai. Tu m'avais dit l'autre jour que ça m'avait manqué. Fini le practice. Là, on va faire du parcours dans une formule de jeu spéciale, du match play. Tu vas jouer contre un adversaire. Ah, c'est qui? C'est la surprise. Ah, d'accord. Et je vais te cadayer. Me cadayer? Donc tu vas être mon caddie. Ouais, je vais porter ton sac et te donner plein de conseils. Ah, puis me coacher un peu. Parce qu'on va gagner ce match quand même. Donc c'est ma première compète officieuse. Voilà, exactement. Okay. Par contre, tu peux pas y aller dans cette tenue. C'est, pourquoi? C'est tristouné. Il faut qu'on trouve un truc pour déjà impressionner l'adversaire. Ça, c'est important. Mentalement, pour lui en mettre plein les yeux, plein la vue. Déjà, dès le premier. Donc on va faire du shopping? Ouais, on va faire du shopping. Ouh, je veux du fluo. J'espère qu'il y a du fluo. Allez, viens avec moi, Pretty Woman. Bon, alors, je t'avais dit du fluo. Mais j'adore ça. Tu te moques, tu vois, mais c'est bien. On se rejoindra jamais, tu me piqueras jamais mes fringues. Ah, c'est un Bermuda. J'ai un peu de mal avec les Bermudas. Quand tu joues, quand tu compètes. Bermuda. Bermuda. Ça, c'est fluo, tu vois. Ah, ça, j'aime bien aussi, hein. Très mignon. Ah. Très bien. Big bisous. Bon, je crois qu'on va être la voix de la sagesse à parler. C'est chic, c'est élégant, c'est noir, ça fait peur. Hein, c'est impressionnant, c'est, ça classe. C'est classe. Et on veut de la classe. Donc moi j'ai choisi, mais maintenant il faut te mettre à niveau, ma petite cocotte. Tu peux pas rester comme ça. Je mets une robe aussi. Bah, tu mets une robe de compète. Allez, tu me dis, on fait une compète. Je sors ma robe de compète. S'il te plaît. C'est parti. La séquence essayage avec France, mémorable. D'ailleurs, Pablo va s'en souvenir pendant un bon petit bout de temps. Il lui a bien retourné sa boutique. Mais super sympa. Elle a trouvé sa tenue. Maintenant, elle est dans les règles. Il n'y a plus qu'à. Là, on est en tenue de compète, là. On est bien, là. Là, elle va avoir. Je crois qu'on va l'impressionner. Bah, alors, déjà, c'est qui, cet adversaire surprise, là? Alors, c'est une dame. OK. Donc, elle s'appelle Catherine. OK. Elle joue depuis quelques temps. Et donc, on va jouer dans une nouvelle formule que tu ne connais pas, qu'on appelle le match play. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je peux faire 24 fautes. Si l'adversaire en fait 25, je suis toujours dans le jeu. Donc, je crois que c'est une des formules de jeu qui me plaît le plus. Est-ce que psychologiquement, avant de lui dire bonjour, il y a un truc déjà qui pourrait lui... Tu le regardes bien droit dans bien les droit yeux. Dans les yeux, ouais. Et je lui serre la main bien fort ou pas? Parce que je lui ai... Mais regarde, elle s'échauffe déjà. Tu fais bien de t'échauffer, Catherine. Parce que tu sais pas encore à qui t'as affaire. Bonjour. Donc France, Catherine. Poignée de main. Ça va? Ça va, en forme. On est prêt pour le match? Sur ce magnifique parcours avec un très beau soleil. Ça va, donc. Bien, Catherine. Ça commence bien. J'ai même pas peur. Par contre, j'ai un gros problème avec la compétition. Dès que, même si c'est une toute petite compétition à deux, entre copines et tout, je me liquéfie, je me tétanise. J'ai beaucoup de mal avec cette pression, donc il va falloir que je bosse, à mon avis. Allez, super. En visée, on est bon. Oh là, j'ai peur. Catherine, regarde pas. Tourne-toi. Je suis partie un peu à droite. Ouais, ça va, c'est après les bosses. Je sais pas du tout où elle est. C'est très bien, t'auras moins d'eau à sauter. Je l'ai touché. Je te récupère ton titre. Ne bouge pas, ne te fatigue pas, je récupère ton titre. J'ai pas l'habitude. Eh, je suis caddie. Merci. Du coup, tu peux m'amener à boire ou pas? Elle est sortie. Enfin, elle a avancé en tout cas. Là, devant tes pieds. Mais c'est pire! Alors j'ai fait connaissance aujourd'hui avec le ref de l'Albatros. C'est très sympa, cette jungle. C'est compliqué, c'est-à-dire que quand la balle elle est dans le trou, on ne m'a pas appris encore. Hein. Il faut qu'on bosse, ça. J'ai pas encore la bonne tactique pour la sortir du trou. Elle s'en est pas si mal sortie. C'est vrai qu'il faut qu'elle apprenne à mieux faire glisser le club sur le sol plutôt que de piocher et de rester en arrière. Rappelle-toi, comme le lob shot, cherche pas toi à soulever, sinon t'es éjecté en arrière et tu diriges pas, d'accord? Le plus important, c'est qu'il faut que t'ailles vers l'avant. Super. Allez, sors. Oui, super. Oh, quel enfer. Merci Catherine de ta patience. Du golf national. Je pense que c'est pas la dernière fois que j'y serai, à mon avis. Oui, bravo. Merci. Donc là, elle a gagné. Tu peux ramasser ta... Tu peux ramasser Catherine. Ta marque. Donc moi, je joue plus. Non, tu peux... T'es déjà au-delà d'elle, donc tu peux ramasser. Mais on va prendre le 2. On va prendre le 2. Mais j'ai pas dit mon dernier c'est mot. C'est pour lui donner confiance, là. Regarde le beau trou qui t'attend en France. Oh, regarde. J'ai hâte. Toute cette étendue d'eau.
Même pas de coup d'essai. Hein. C'est beau ça, c'est propre. Voilà, moi, je fais toujours comme ça. Ah, elle joue la sécurité. Mais elle a raison, et elle a tout à fait raison. J'aime beaucoup la jungle. Ah, regarde, elle est bien placée. J'aime beaucoup la jungle locale, faune et la flore. Donc dès le départ, tu te mets dans le sens de la pente. D'accord. Et tu restes bien à gauche. Oh, c'est fort. Elle est sortie. C'est le principal. Pas comme on voulait, mais elle est sortie. Super. C'est pas mal ça. Magnifique. Oh, trop loin. Non, ça va, c'est super bien, regarde. Très très bien, elle est super dure ton approche. Bravo France. Yes. J'ai été félicitée. J'aime beaucoup le caddie coach. Je me rends compte que sans Lorraine, je ne saurais pas retrouver ma balle, choisir mon club, où est le trou, toutes ces choses de base. Je suis perdue sans elle, donc elle est très 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 précieuse. Lorraine, tu veux bien rester avec moi tout le temps. Pas mal ça. Bien Catherine. Ah ouais. Oh là là, elle me met une pression. Bien joué. Oui, très bien. J'ai retenu mon souffle. Mais là, j'ai quand même perdu. Ah, il faut qu'elle rentre pour gagner le trou. Oh là là, félicitations. Merci. Je m'incline devant tant de talent. Bravo. On commence bien les compétitions. Après ces deux trous difficiles, il est temps d'en tirer le positif. N'est-ce pas, Lorraine ? Déjà, celui-là, regarde, sur le trou 2, tu fais 5. C'est bien, ça ? Bah oui, c'est un par 3. C'est d'accord. Donc, c'est très, très bien. Oui, parce qu'en stable fort, ça fait le part. Il te rend au moins 2 coups, celui-là. Bah, elle est non classée, donc pour toi, tu dois faire 6, normalement. Ouais. Donc, t'as fait d'accord, donc tu as fait un de mieux. Voilà. D'accord. Je comprends pas tout ce que vous dites, hein, mais... Il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas. Je valide. Mais si vous le dites... J'ai encore du boulot, je crois.